Scouting Network, Scouting Platform, Football Highlight Specialist and Data Analyst. Brice Cognard, Specialist. Possibilité Alexis Arrojo, il va tenter sa chance, ça revient sur Sébastien Flochon. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt! On reste cristallin avec Kelly Ireb, Sébastien Flochon encore, la petite talonnade, c'est bien joué ça pour Kamel Cherguida sur la réparation, le centre de Cherguida, le plein des pieds de Farad et encore Brice Cognard! De Clark, Ensikoulou, il va réussir son contrôle, il est dans la surface, la frappe de Clark Ensikoulou, il faut un super barré de Brice. Un ballon, attention, peut-être la réciproque et l'arrêt de Brice Cognard, juste sur sa ligne encore le bon. Cette fois-ci sur le côté droit, c'est un radiateur avec une possibilité de frapper encore un arrêt super de Brice Cognard. C'est le genre de joueurs qui malheureusement c'est souvent ce quoi. Attention Romain Montel qui va peut-être se présenter face à Brice Cognard pour peut-être le 2-0. Superbe parade de Brice Cognard. Faire l'appel. Attention à Damien Durand, l'entrée de la surface, la frappe de Damien Durand et l'arrêt. Il faut l'arrêt de Brice Cognard, c'est pas terminé peut-être. Et le double arrêt. Le double arrêt de l'ancien gardien de Poissy. On va la revoir dans le coup. Oh, attention à une nouvelle erreur côté Avranchiné. La pape mais ça va inventer ses mérites qui va se présenter face à Brice Cognard. Et Brice Cognard, héroïque sur ce coup-ci. Il y a presque un boulevard qui était serré. J'ai un petit chipot, on était tout seul. La balle dans 0, l'arrêt. Attention parce que les boulonnais qui sont dans la surface, l'égalisation peut-être. Oh, quelle situation et quel arrêt de Brice Cognard s'il sort sur ce ballon qui part bien et l'arrêt de Brice Cognard. Il va avoir une faute de Pierre Magnon sur Sengoma. Attention à Thomas Robinet, l'arrêt. Excellent arrêt de Brice Cognard, ça avait joué. On va réduire encore l'écart, remettre un peu de suspense dans cette fin de partie. Tuan Tola qui va peut-être essayer à la frappe et l'arrêt de Brice Cognard. Flojo à nouveau. Flojo qui a continué son effort, Kous qui avait continué son effort, c'est pas la première fois, et là il y avait un bon coup à jouer, Elisor qui cherchait Adrien Damas, c'est pas terminé, Adrien Damas dans la surface. Voilà, bonne frappe d'Adrien Damas, bien captée par Cognard. Et ouais, nouvelle action. Avec un match contre Dieppe. Bon courage pour la reprise Anthony, à bientôt sur les terrains, et pourquoi pas la première situation pour la formation d'Orléans, la frappe et l'arrêt justement de Brice Cognard. Qui va tenter d'armer une frappe, la frappe de Teddy Oku. Et attention, Clark Ensikoulou qui rôde. Peut-être l'égalisation, et encore une fois, Brice Cognard. En deux fois, en trois fois même. Ah, en trois fois. Troisièmement, il est très bien joué là. Jusqu'à Ardi Pembele. Il va entrer sur la réparation et qui va frapper la parade. C'est pas terminé, le ballon qui va finalement revenir. Jusqu'à Brice Cognard. Bon courage pour la reprise, Anthony. À bientôt sur les terrains. Et pourquoi pas la première situation pour la formation. Brice Cognard. Qui peut être le premier relanceur, il faut vite venir se replacer dans ses buts. Ce retour là, Virginie qui vient intercepter cette passe. Thank you.
Guillaume Kous qui a avancé. Il va demander le 1-2, Guillaume Kous. On l'avait senti dans les bons coups, Guillaume Kous, face au gardien. Oh là 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 là, la parade de Cognard. Guillaume Kous. Ouais, c'est pas terminé avec Rémi Sergio par-dessus. Elisa. Attention, le gardien Cognard qui est sorti de sa surface de réparation. Et pas réussi à frapper après ce. C'est pour Carnegie Antoine et on arrive à donner peut-être également ce ballon. C'était les deux entrants avec El Nandou et puis Moimi. Attention, ça peut peut-être revenir derrière directement. À vous la dire. Ce ballon sur Kane Farad. Contrôlez vous et la recherche retournée, c'est magnifique. Brice Cognard. Avec du miel Vitouré. Avec le ballon. Brice Cognard.
Il y a eu notamment ce match, et c'est peut-être celui-ci hein, qui a fait le plus de mal pour l'équipe de Frédéric Oculot. C'est le match de Coupe de France. La semaine dernière. Brice Cognard,